Bonjour, Chechi Bonsai, nouveau vidéo. Je suis une autre fois en Suisse. Le soleil maintenant il est là, mais ça fait quand même un bon, un peu froid. Alors je suis en pullover, un changement grand après de 35-40 degrés en Espagne maintenant comme ça. Mais voilà, on est à la maison, je suis chez mes arbres. Et aussi ici, dans ces moments, je veux dire un grand merci à la personne qui a regardé mes arbres dans mes vacances. Et je ne veux pas dire le nom, mais quand même, comme ça que la personne, il est identifié, j'avais eu la fortune d'avoir un des meilleurs bonsaïstes de Suisse qui regarde chez mes arbres. Il est venu tous les jours à donner de l'eau et de contrôler. Et ça, c'est une fortune. C'est les meilleures vacances, plus tranquilles que je fais à cause de ça, parce que je sais que quelqu'un il a regardé avec une expérience énorme. Alors, merci beaucoup, aussi en français. C'est énorme le travail qu'il a fait et ça reste dans mon cœur. Pourquoi cette vidéo? C'est seulement une petite vidéo. J'ai un nouveau produit dans mon shop et je veux seulement expliquer de quel produit c'est. C'est un peu bizarre parce que ça commençait un peu derrière. J'ai vu que de différents bonsaïstes, qu'après de couper un arbre et ils ont coupé un autre, normalement on doit désinfecter. Désinfecter les tools, le ciseau et des choses comme ça, on fait la désinfection. Moi, normalement, on fait avec le alcool, je prie et je fais comme ça. Et j'ai vu des autres bonsaïstes et aussi mon collègue qu'il a regardé mes arbres. Je suis allé une fois chez lui à prendre un café, il a coupé les azalées. Et là, j'ai vu qu'il a fait toujours après une assalée. Il a pris avec comme une gomme pour. Il a pris comme une gomme et il a nettoyé comme ça les ciseaux. Et je pensais, bon, ok, après chaque arbre, il fait un nouveau bonsage, naissance, parce que je pensais c'est une pierre comme pour faire des bonsages, un nouveau bonsage. Et je le demandais, je dis, mais chaque arbre, tu fais comme ça? Il a dit, non, non, ça, c'est pas pour. Ça fait pas un nouveau bonsage. Ça, c'est seulement pour cleaner et pour désinfecter. Et je dis, ah, ok, cool, c'est pratique ça. Il a dit, ouais, c'est pratique, efficience. Il est allé à Augsbourg, là, et il a pris une de Augsbourg, il m'a pris une avec, et il m'a donné, et je l'ai utilisé, c'est ça ici. Je l'ai utilisé chez mes ciseaux, c'est magnifique. C'est comme une gomme. Vous faites comme ça et ça clean vraiment tout. Et je pensais, ça c'est quelque chose de magnifique, magnifique, pratique. On l'a comme ça dans la boîte, dedans, pas d'alcool, pas de rien, seulement avec ça. Et ça fonctionne magnifique, quelque chose de magnifique que je veux avoir dans mon shop. Et qu'est-ce que je fais? Je regardais et maintenant je peux dire qu'on a ça dans le shop. Il y a le blanc. Que c'est la moitié, on dit de forte, et on a le rouge que c'est le plus fin pour, on dit le rouge plus pour chaque jour qu'on utilise tous les jours comme ça, on peut prendre le rouge. C'est on a des ciseaux vieux avec qu'il y a encore tout le rouge avec le rouste dedans et tout ça. Ça on peut bien cliner avec le blanc et ça prend vraiment tout, aussi le noir de couper les conifères et des choses comme ça sans problème, ça la laisse nouveau, vraiment nouveau, nouveau, nouveau. Vous trouvez ça dans mon shop, dans la catégorie supérieure, accessoires, là-dedans vous trouvez les deux. Je veux lui informer ça parce que je trouve quelque chose de magnifique. Je l'utilise maintenant tous les jours. C'est pratique, énorme pratique et efficace au maximum. Alors, des choses comme ça, je veux compartir et dire que vous le trouvez chez moi. C'est ça comme petite information. Nous, on se voit dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va faire un petit update de la Taxodium disicticum. On va regarder parce que je veux montrer quelque chose de drôle. Et on se voit dans cette vidéo. Bonne soirée, salutations de la Suisse à tous
Et on se voit dans le prochain vidéo. Ciao, ciao!